Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République de Madagascar, ce n'est pas sans une certaine émotion que je reçois de vous-même les pouvoirs de la présidence du sommet de la francophonie. Nous sommes en effet pleinement conscients de la responsabilité qui revient désormais à la République d'Arménie d'assurer durant les 2 ans à venir, cette présidence. Je tiens à réitérer tous nos remerciements aux États et gouvernements membres de la francophonie pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Je veux également exprimer nos remerciements et féliciter la République malgache pour sa contribution importante apportée à la francophonie et pour les réalisations que vous avez accomplies depuis le sommet de Antananarivo. Face aux multiples défis auxquels sont confrontées nos sociétés, nous croyons important de nous rassembler autour de nos valeurs humanistes, de veiller en permanence au respect de nos diversités et de promouvoir le partage de la solidarité entre les différentes parties de l'espace francophone. C'est à ces conditions que le vivre ensemble peut être source de paix, de prospérité pour l'espace francophone. C'est une belle ambition que de vouloir œuvrer à la réalisation des principes et des valeurs qui régissent le vivre ensemble et qui trouvent leur place dans l'appel que nous lançons. Face à la crise du multilatéralisme, notre ambition est également de renforcer plus encore les coopérations et concertations entre la francophonie et les organisations régionales et sous-régionales dans différents domaines, qu'il s'agisse des questions de paix et de sécurité, de lutte contre les changements climatiques, de développement durable ou encore de respect des droits de l'homme, parce que ces synergies permettront certainement de traiter de façon plus efficace ces questions et à la francophonie de continuer à s'affirmer en tant qu'acteur des relations internationales. Cette invitation à la réflexion autour de ces questions figure au centre des travaux de notre conférence. Et il est certainement temps de déclarer ouverte cette 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage. Je vous remercie pour votre attention.